Regarde, aujourd'hui, super arme VS super boss. Il y a un Yeti qui dort, j'ai un pistolet laser. À l'attaque! Yo! C'est le capitaine, et aujourd'hui, on se retrouve pour super arme VS super boss. Regarde ma main, j'ai un bazooka, c'est juste génial. Franchement, fais-moi plaisir. Si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et activer la cloche, c'est très important. Et bien sûr, reste jusqu'à la fin. C'est parti! Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Regarde ma main, j'ai un lance-roquette. Et tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va tout simplement exploser des boss avec des armes. Regarde, on fait spawn le Yeti. Donc là, il dort, on va le réveiller. Voilà, il est réveillé. Et maintenant, regarde, on va tester un peu nos armes. Là, tu vois, j'ai un blaster rifle. Regarde ça. Ah, mais c'est comme dans Star Wars, en fait. C'est le blaster de Stormtrooper. On a le fusil laser. Regarde, le Yeti ne peut rien faire. Là, il est désintégré. Tu as vu ça? C'est incroyable. Il y en a plein, on va s'amuser. Hein. Alors, j'ai Naga aussi. C'est parti pour Naga. Ok, c'est parti. Alors, oh, c'est quoi ça? Oh là là. Alors, reviens ici, toi. Boum! Ah ouais, mais c'est trop fort en fait. Regarde, là il y a une nymphe. Salut le bazooka! Oh oh oh, ça casse tout, hein. C'est trop efficace. Ça c'est quoi ça? Ça tire des trucs laser. Ça c'est quoi? Ce pistolet laser, d'accord. Désintègre les vaches, ça c'est quoi ça? Machine gun, regarde! Terminator! Là il y a le lance-missile. Incroyable. Il y a plein d'autres armes, hein. Tiens, regarde, tout ça c'est des armes. J'ai encore rien montré là-dedans. Regarde le Sonic Rifle. Oh! Ah ouais, faut qu'on teste. Alors, là on a un nouveau mob, le fils du ciel. Salut, ça va? Tu veux tester le blaster rifle? Qu'est-ce que tu peux faire? Vas-y. Tiens, un petit peu de blaster aussi. Boum, attends, est-ce qu'on te désintègre? Oh, c'est stylé. Boum! Oh, c'est stylé de fou. Boum, allez la vache. Alors, on s'amuse, hein, on s'amuse. Il y a plein de mobs à tester. Alors, ça c'est quoi ça? Oh, stylé. Alors, chevalier. Peut-être passer en survie. C'est bon, tu réagis ou pas? Ah, c'est bon, tu réagis. Ok, allez, viens te battre. Ok, les armes n'ont pas directement d'effet pour l'instant. C'est stylé quand même. Okay, pour l'instant, les armes n'ont pas d'effet direct. Bon, on va essayer d'autres mobs. Ça a pas l'air de marcher sur ce mob-là. Je pense que c'est un souci aux armes à feu. Alors, là, on a... Voyons voir. Alors, vous faites... Boum! Boum! Oh, non, il y a de la vie quand même, hein. Plutôt intéressant ça. On va tester les nouvelles armes. Qu'est-ce qu'on a de rigolo, tiens? Alors, qu'est-ce qu'on a pas de test? Oh, le Tesla Gun, le Biogun, le Nether Blaster, la UG, tu connais, regarde. Boum! Sniper, mon gars, les snipers! Alors, qu'est-ce qu'on a comme mob? Il y a plein d'autres mobs, t'inquiète, hein. Ça, c'est rien. Ça, c'est juste un mode. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, t'inquiète pas. Regarde, il y a des dinosaures et tout. Ça, c'est quoi? C'est vivant, ça? Alors, testons un petit peu. Le Nether Blaster. Ok, ils ont l'air immunisés. Attends, le Biogun, peut-être. Ils ont l'air immunisés. Là, il y a les dinosaures, si tu veux t'amuser, regarde. Hop, le sniper. Boum, 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 boum. Là, regarde. Le Biogun, regarde, c'est de l'acide. Regarde. Hop, là, là. T'as vu de l'acide, l'effet d'acide ou pas? Comment c'est stylé? Là, t'as le Nether Blaster. Ah oui, c'est pas mal quand même. Hein. Ok. Alors, dans les mobs, s'il vous plaît. On a lanterne. On n'a pas testé ça. Alors, lanterne. Voyons voir c'est quoi. Ok, ça meurt ça ou pas? Ah oui, ça désintègre plutôt facilement. Il y a aussi, juste ici, le folia. Ok, alors. Ok, c'est vraiment des feuilles. Alors, maintenant, regarde, on passe à une autre catégorie de mobs. Tout ça, regarde, tout ça, c'est des mobs. Alors, on va s'amuser. On va tester dans l'ordre un petit peu. On va s'amuser un peu, vois-tu. On est là pour ça. Alors, ça, c'est quoi, ces genres de mobs? Oh, ah ouais. Ah ouais, d'accord. Alors, il nous faut une arme digne de ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser, mon pote? Alors, le revolver. Attends, il n'y a pas un Desert Eagle? Déjà, il y a le canon à main. On a l'AKM, je pense, c'est presque une K47 en vrai. Alors, allons-y. Allez, c'est parti. Oh, ça résiste, regarde, regarde sa barre de vie. Ok, pas mal. Regarde, tu résistes à comment ça? Ça résiste moins. Ok, c'est pas mal, hein. Ça résiste bien. Alors là, on a le pistolet. Et laser. Ah dis donc, c'est du boss ça. Le biogun. Enfin, le machine gun. Fais voir un peu le machine gun. Ouais, ça régène et tout. Regarde. Waouh, c'est pas mal, hein. Ça résiste bien, hein, nos armes à feu quand même, hein. Ok, alors attends, on va repasser au pistolet laser. Mais t'as vu ça? Ça, c'est juste un mob, ça. Oh là 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 là, y'a de quoi s'amuser là, hein. Je le dis, y'a de quoi s'amuser, hein. Alors, ok, K47, c'est pas beaucoup de dégâts. Ouais, ça va, hein. En tout cas, le plus satisfaisant, c'est quand même le machine gun, hein. Voilà, là, c'est satisfaisant. Bah, dis donc, c'est résistant quand même comme mob, hein. Regarde, j'ai un effet de force maximum. Regarde les dégâts à l'épée. On a force max, hein. C'est pour te montrer les dégâts des armes, en fait, comment c'est impressionnant. Même ça, c'est pas assez efficace, on attend. Même si on spam à mort, si ça marche. En vrai, le machine gun, ça reste à base. Bon, il va mourir. Là, il est en phase 3. Et ça, c'est du boss, hein. T'avais dit. Oh, wow, regarde le feu là-bas. Oh, c'est quoi ça? Attends, déjà meurs, toi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça, les potes? C'est stylé de fou. Ça, c'est quoi ça? Waouh, truc de fou. Alors, et on n'a pas vu l'autre mob du coup. Alors, toi, t'es pas aussi résistant. Ah, quand même, un petit peu, un petit peu. Ok, alors, on continue. Il y en a plein. Il y a ça et ça. Voyons voir. Déjà, il y a ça. Ok, donc ça, ça meurt à la lumière du jour. Bon, pas très résistant. D'accord, la KM. Ah, c'est peut-être ça. Il meurt, il donne ça. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas toujours des trucs ultra balèzes. On va changer d'arme un petit peu. Qu'est-ce qu'on n'a pas de test? Donc, c'est ici. Il y en a
en a plein en fait qu'on a pas test. Alors, faisons un petit peu le ménage et changeons. Alors, le canon à main, on va prendre des armes au pif. Ça on a test, ça on a pas test, ça non plus. Oh, il y a le lance-flamme, il y a un sniper. Je prends des armes un peu au pif, ok. Il y a le fusil à pompe de combat. Alors, maintenant qu'on a toutes nos armes, testons un petit peu les mobs. Alors, on a ce mob là, allons-y. Donc, de temps en temps, il y a des gigaboss, hein. T'as remarqué, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps. Alors, la goule, tiens, lance-grenade. Oh, c'est un lance-grenade, mais trop bien. Là, ça rebondit et tout. Par contre, ça casse pas, c'est marrant. On a le crypt, alors ça, c'est le gardien de crypt. On voit, ok, bon, ça, c'est plutôt facile. Ah, on a la Thompson, eh, mais Call of World of War, hein. À l'ancienne, en vrai, à l'ancienne. Nostalgie, les potes, nostalgie. Alors, ok, allez, tu sais quoi, la Thompson. Oh, ça rappelle Call of, ça rappelle les bons souvenirs. Les petites souris Call of à l'ancienne, là. Alors, ensuite, petit Call of Zombie. Là, on a, voyons voir, le Thompson, on la teste. Alors, ça, c'est quoi? Okay, le... oh là là! Le Bolt Action Rifle. Après, on a le fusil à pompe, on va tester ça. Donc là, je teste les mobs. De temps en temps, il y a des mobs de fou, hein. Comme ça, tu vois un petit peu les mobs aussi. Alors, le fusil à pompe de combat. Ah ouais, c'est. Ah, c'est pas mal, quand même. Il est pas mal, le fusil à pompe, quand même, hein. Alors, testons un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ouh! T'as vu, c'est la fusion entre un tigre et un dinosaure. Oh, lance-flamme. Oh là là! Alors, comme c'est bien fait. T'as vu les flammes? C'est quoi ça? C'est le futur, ça. Hein. Alors, on teste. On continue, on s'amuse. Eh, on est là pour s'amuser. Alors, ça, c'est quoi? Voyons voir. Le Warg. Oh, ça vient du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux RPZ. Alors, salut. Le Warg. Je vois, chaleur de Warg. Ça, c'est quoi? Le canon à main. Tiens, regarde à toi. Ok, c'est pas mal. Ça fait un peu canon de pirate. Tu sais, ça fait un peu Jack Sparrow, tu vois. Un petit peu, genre, un peu pirate des Caraïbes, tout ça. Alors là, nous avons. Ouh là 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 là. Ah non, mais ça, on l'a déjà vu. Ah, par contre, il y a un truc là qui a de la vie, là. C'est... qu'est-ce qu'il y a de la vie de fou, là? C'est toi? Qu'est-ce qu'il y a de la vie? Ah, c'est ça? Mais non. Ah non, je crois que c'est le... ça doit être le. Ok, le cavalier là-bas. Ouais, c'est ça. Je me disais, c'est bizarre. On n'a pas fait spawn de trucs de fou, là, jusqu'à présent. Alors, qu'avons-nous? Ok, ah, bah ça, il est mort à l'heure, en fait. Ouais, en fait, on a déjà fait spawn ça. Toi, où tu vas, là? Où tu vas? Allez, on va changer d'arme. On va continuer avec les mobs. Alors, on est là, je crois. Changeons un petit peu d'arme. Changeons un petit peu d'arme. Je propose de tester le revolver basique, le double canon, le Golden Revolver, le M4, l'infiltrateur, le pistolet. Attends, on l'a déjà testé. Et le MAC-10. Tu me dis si tu connais les armes en commentaire. Ça peut être rigolo. Alors, ok, le double canon, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est quoi? Hop, pareil. Attends, ça en a fait spawn le même ou... ouais, c'est presque les mêmes. Petite variante entre les deux. Alors, ensuite, ici. Alors, je te dis, voilà, le Dawen, le Blue Chat. Alors, on va tester le revolver, tu vois. Ça, ça fait un peu... on est un peu au Far West, tu vois. Boum. Un petit peu dans Red Dead Redemption, tu vois. C'est sympa. Ensuite, on a la M4. Alors, la M4. Faudrait trouver des adversaires à la hauteur, quand même, des armes qu'on a. Hein. Hop, alors. Allez, c'est parti pour la M4. Quand même plutôt efficace, hein, y a pas à dire. Après, on a l'infiltre. Oh, c'est quoi ça? Si, y a un silencieux et tout. Oh, l'arme de fou. Alors, attends, on va tester. On en est là, ici. On est ici. Allez. Alors, attends, c'est quoi ça? Ça explose parce qu'il fait jour. Ok. Bon, c'est une chauve-souris qui explose. Ah, toi, t'as pas explosé, c'est marrant ça. On prend ça. Voilà. Ok, voilà, ça explose pas. Donc, le pistolet basique, ça, c'est le 9 mm basique. Tu vois, c'est pas l'arme la plus efficace. On a l'infiltrator. Ça, c'est incroyable ça. Ça, c'est incroyable, ça c'est incroyable, ça, le MAC-10. Je pense qu'ils ont changé un peu les noms aussi. Je pense qu'ils ont dû changer un petit peu les noms, tu vois, pour, parce que des fois ils devaient pas avoir les droits de mettre les noms exacts des armes. Donc je pense que des fois on a droit à des noms d'armes. Il y a tellement de mobs. Alors, l'Uvuraptor, le Balayang, le Rock. Alors, c'est un animal mythique, ça regarde, c'est la fusion entre un scorpion et c'est connu, c'est la mythologie. C'est stylé, il y a les animaux mythologiques, il y a les animaux du Seigneur des Anneaux, c'est cool, hein. On va changer un petit peu d'armes. Qu'avons-nous? Pas encore test. La M4, c'est bon, alors, le lance-flamme, tu l'as vu, on peut revenir sur des armes qu'on a déjà test aussi, hein, pour le fun. Nether Blaster, t'as vu, Biogun, t'as vu. Tesla, t'as vu. Light Machine Gun, t'as pas vu. Le Sniper ici, t'as pas vu. La Scar, t'as pas vu. Ça, t'as vu, mais on reteste. Allez, ça, on atteste aussi. Alors, je veux la suite des mobs. On essaie de tester dans l'ordre, les potes, d'accord? Donc, l'ordre qu'on vient de tester. Alors, on va tester un petit peu les nouveaux trucs. Alors, on a ça, ça et ça. Ok, alors là, le pistolet laser, tu connais. Stylé quand même, hein. Ok, donc là, nous avons la Scar. Voilà, très bonne arme, bien évidemment. Le Vector. Stylé quand même, hein, comment c'est fait. T'as vu les balles et tout? Wow, regarde! C'est quand même vachement bien fait, hein. Alors, le Sniper. Non, parce que tu vois, ici, la nymphe. Boum! Toi, et c'est tellement satisfaisant, mais regarde! On est en train de sniper dans Minecraft, là, regarde! Boum! Toi, oh, c'est incroyable. Le lance-roquette incroyablement bien fait. Non, mais franchement, regarde le réalisme du lance-roquette, quoi. Avec les mobs qui se désintègrent, c'est incroyablement stylé. Alors, on continue, bien évidemment, on continue, c'est la fête. Alors, on en a plein, là. On a, ok, alors, comment on dit? Le pistolet laser. Oh, c'est stylé, quand même, hein. C'est quand même vachement stylé. Alors, on continue, bien évidemment, la fête continue. Alors, on arrive ici, on arrive sur un nouveau style de mob que tu ne connais pas, que je ne connais pas non plus, d'ailleurs. Oula. Ah oui, c'est du mob, ça. Alors, la Scar, un peu, pour le fun. Oh, la Scar, toujours aussi efficace.
hein, comme arme, bien évidemment. On continue avec ce nouveau style de mob qui a l'air intéressant. Je crois qu'il y en a un qui a déjà fait spawn, ça a déjà été testé. Alors, c'est des mobs aquatiques, hein. Ouais, on est d'accord. Alors, testons un petit peu des nouvelles armes. Testons un petit peu des nouvelles armes que nous n'avons pas encore test. Là, sur la faute, tu as vu. Ah, nouveau truc. Le Pulse Rifle, tu n'as pas vu. Le T-Atomiseur, tu n'as pas vu. Alors, il y a plein d'armes que tu n'as pas vu là. Alors, continuons un petit peu avec nos potes, les mobs. Il y en a plein, en réalité. En réalité, il y en a plein. Hop, alors, donc ça, c'est des mobs aquatiques. Tu sais quoi, vu que c'est des mobs aquatiques, peut-être passer à la catégorie suivante. Voilà, on est dans la catégorie insectes là. Donc, il y a moyen peut-être. Ah, voilà, là, c'est plus intéressant. Alors, allons-y. Nous avons le D-Atomiseur. Ah oui, ça one shot. Ah oui, d'accord, c'est impressionnant comme arme, ça, c'est marrant. Ça a l'air trop puissant comme arme. Hein. Alors, hop, ici. Alors, donc là, on est sur les insectes. Alors, ça, ta tête. Ça, ça, regarde, c'est un marteau qui tabasse en fait. Voilà, simplement. Ah, ça se divise. Ah, ça se divise en morceaux, ce truc. Ah ouais, c'est vraiment des insectes. Ah ouais. Ah, ça se divise. Alors, donc là, on est dans la catégorie insectes, tu vois. Nous avons. Oh, stylé comme arme. Oh là, la cadence de tir de fou. Et ça, c'est un. Attends, ça, c'est un fusil à pompe laser. Non, mais attends, le truc du futur, quoi. Attends, on va tester ça déjà. Alors, waouh, là, c'est stylé, là. Alors, fais voir un peu le fusil à pompe laser. Ah, voilà, là, il y a de la résistance, là. Ah, voilà, regarde le dragon, là. Alors, je vois pas sa barre de vie. Mais par contre, ça résiste, hein. On va essayer ça un petit peu. Ah, voilà. Là, il y a du mob, là. Regarde. Boum. Ah, ouais, là, il y a du mob un petit peu, là. Là, on est quand même sur le style. C'est quoi comme style de mob? C'est dragon. C'est des dragons. Alors, c'est parti. Donc, là, c'est encore des dragons. Et là, c'est un nouveau style de mob, un petit peu de plante. Ouais, parce que c'est un peu comme des Pokémon, tu vois. Il y a des mobs. C'est pistolet laser, ça. On avait pistolet laser en collab, c'est stylé de fou. C'est stylé de fou. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas testé comme arme encore que tu n'as pas vu? Tiens, la tronçonneuse, ça peut être drôle. Ah, le nucléaire Death Ray, tu l'as pas vu non plus. Ça, t'as pas vu non plus. Ça, t'as pas vu. Ça, t'as vu au début, mais on remontre. Les mobs, c'est parti. On change de catégorie à chaque fois. Tu sais quoi, je mets pas forcément tous les mobs, mais je change un peu de catégorie, voir un petit peu. Donc là, nous avons des élémentaires. Alors, on a le pistolet laser au tout début que tu as vu. Le pistolet laser basique. On va reprendre des mobs dans cette catégorie là pour l'instant. Donc, on est sur les élémentaires là. Ça, tu n'as pas. What? Si, si, t'as vu au tout début. Ouais, j'avais testé au tout début. Ça, c'est pour miner. Attends, mais ça mine trop bien, regarde. Ça, c'est un pistolet. Je crois qu'on l'a vu aussi au début, ça. Ah non, c'est laser. J'ai rien dit. Oh, le truc de fou. Ça, c'est le. Ça vient d'Half-Life. Ça vient d'un jeu. C'est le rayon laser de la mort. Oh là là, ça, c'est stylé, ça. Et la tronçonneuse, bien évidemment, la tronçonneuse. Boum, tronçonneuse. Boum. Stylé, hein. C'est quoi? On refera spawn. Attends, c'est quoi? Ce mob était rigolo quand même. Ce mob là était rigolo quand même. Non? Tu trouves pas? Attends. Moi, je dis, on a le rayon laser de la mort. Regarde, même le rayon laser, t'as vu le temps que ça prend? Pression dans la résistance de ce mob. C'est le seul mob qui est résistant de fou comme ça, tu sais. Attends, fais voir un peu la tronçonneuse. Ouais, ça marche. Tronçonneuse, c'est ce qui marche le mieux finalement. Regarde la tronçonneuse. Après, j'ai force 255, hein, il faut savoir. Attends, on va voir le sniper que ça fait. Ok, c'est pas mal, hein. On va voir un petit peu ça. Ah, mais toutes les. Regarde, toutes les armes, même les. Ah, ça, c'est puissant, ça. Ah, ouais, ça, ça fait super mal, ça, regarde. C'est ce qui fait le plus mal, ça. C'est quoi ce truc? Je pense que c'est un truc nucléaire encore. Hein. Ah, ouais, non, ça fait trop mal, regarde, par rapport à ça, regarde. Ça, je pensais que c'est le truc qui faisait le plus mal du jeu. Ouais, ça, mais ça, regarde ça, par contre. Eh, c'est la meilleure arme du jeu, c'est bon, on a trouvé la meilleure arme du jeu, c'est ça. Non, mais là, c'est sûr, hein, y a plus de doute, hein. T'as vu la puissance du truc? C'est impressionnant, en vrai. Ok. Alors, les mobs, on continue. Fini. On va changer de catégorie un petit peu. On était sur les élémentaires. Là, on a les plantes. Oh, il y a les trucs du Seigneur des Anneaux. Il y a les Ents. J'espère que t'as vu le Seigneur des Anneaux quand même. Voilà. Alors, bon, ça, c'est pas mal. Ça, c'est l'arme la plus puissante du jeu, on a dit. Voilà. Ah, c'est clairement surpuissant. Non, mais je confirme. Je tiens à confirmer que la puissance est au rendez-vous. Alors, ça, c'est quoi? Ça a l'air quelque chose, hein. Ah oui. Ah ouais, ça sort droit d'un film d'horreur, en fait. Alors, ça marche ça sur les mobs? Ça marche sur les mobs. Dans le sniper laser. Tu vas où, toi? Boum! Oh, c'est incroyable. Et regardez! Oh là là! Ça, c'est du style! Attends, ça, c'est quoi? Je teste un peu les différentes catégories, tu vois. Ok, on est sur du style quand même. Ça, c'est résistant ou pas? Ouais, quand même un petit peu, hein. Boum! Le sniper! Ah, oh, t'as résisté au sniper? Pas mal! Pas mal en vrai! Pas mal, hein, parce que c'est quand même résistant de fou, hein. Enfin, c'est quand même puissant de fou. Alors, je teste un peu des trucs au pif, tu vois, pour le fun. On va tester le sniper. Oh, le sniper, c'est tellement satisfaisant. Oh, ça aussi, quand même, hein. Petit rayon laser là, il désintègre. Là, il faut tester sur. Alors, ça, tu vois, ça marche pas sur ce mob là. Marrant. Peut-être qu'il doit y avoir un truc, hein, parce qu'il y a une épée derrière. Regarde, je pense qu'il faut peut-être enlever l'épée. Il y a peut-être un truc, tu vois. Peut-être un truc, hein. Alors, attends, on continue un petit peu le tester pour s'amuser. Teste des trucs un peu random. Pour ça, il y avait qu'un seul mob qui était vraiment, vraiment ultra stylé. Alors, ça, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Hein. Vraiment stylé. Bon, bah, du coup, c'était tout simplement Super Arme vs Super Boss. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu ne manqueras plus jamais une vidéo à venir. Abonne-toi et active la cloche, c'est très important. Très, très important. Je tiens à te remercier si t'es vraiment arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que tu n'as pas manqué une seule seconde de cette vidéo incroyable. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire que t'es bien arrivé jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir et ça montre que t'es un vrai. Très, très important. Je t'invite à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche là maintenant à l'écran. Tu as deux nouvelles vidéos à l'écran. Clique sur une d'entre elles, comme ça on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. À toutes!